fabuleux. Ça, c'est un des meilleurs jeux de NES que j'ai joué. Ton bonhomme, tu peux le customiser différemment d'une fois à l'autre, te rendre à la fin. Là, il va bien sûr déchirer le jeu. On est devant River City Ransom. C'est Tommy Godette qui vous parle au nom de 70% au complet. Très content de vous avoir avec nous et on a un invité du nom de Latreille, Jérémy, son prénom, oui. Ouais. Dis-moi de Noël en regardant la caméra. Excellent, merci beaucoup. Parle un petit peu plus proche de ton micro puis plus fort, on veut t'entendre. Tu t'es pas déplacé, j'entends tu dire que tu viens d'une autre planète. Ouais, c'est les rumeurs courent. Les rumeurs courent et elles se déplacent sur le net, ça va d'autant plus vite. On approche de la saison de Noël intense, toute cette magie, pas moyen de sortir de chez soi que sans que ce soit Noël. Heureusement, on a une programmation à doudou.tv qui est totalement unique, un petit peu comme d'antan. Vous allez avoir ça à partir du 13 surtout, mais ça va être de Noël, des longs métrages, des courts-métrages, des spéciaux de Noël. On a trouvé le spécial de Noël de Mr. T. Est-ce que tu connais Mr. T? Oui, qui connaît pas ça? Qui ne connaît pas Mr. T, demande Latreille. Il a pas peur, style, lui, de poser les vraies questions. Sinon, je voulais pas en parler, mais j'ai entendu la nouvelle toune d'Éric Lapointe en allant m'acheter un taouk, et puis il se plaignait de souffrir, de pas savoir comment souffrir, de se plaindre. Et ça m'a vraiment fait chier. Québec, s'il te plaît, on mérite mieux. N'achetez aucun de ces albums. Est-ce que t'aimes Éric Lapointe? Non, vraiment pas. De Noël. Merci beaucoup, Jérémy. À date, on s'entend super bien. Ouais, toujours. Bien, on est ensemble dans un jeu de NES. As-tu déjà joué à ça, toi? Hein? Mais encore une fois, qui a pas joué au NES? Il dit, Colin, on s'entend de mieux en mieux. Sinon, vous avez voté, parce qu'il faut en parler, on a voté pour Zombie de la création, en français, The Beginning, de Creazione, en version originale italienne. C'est le film qui incarne l'année 2007, parce qu'on est en rétrospective à douteux.org. On a parti en l'an 2000, et à chaque année, on a choisi deux films excellents, avec beaucoup, beaucoup de talent dedans et de gens impliqués. Et ces deux films-là, on les met en compétition et on montre le gagnant au brouhaha gratuitement tous les soirs et dans d'autres chapitres de douteux.org partout au Québec. Présentement, on a à Québec, à Valleyfield, à Rouyn-Noranda. En tout cas, allez voir sur le site. Oui. Oui, allez-y. Merci, Jérémy, du copain. C'est qui est bon. C'est quoi ta sorte de pâte à dents préférée? Colgate. Colgate? Ouais. Mais pas saveur, genre? La saveur. Moi, je dirais bien le bacon. Oh, ça, yeah. Ça donne un bon goût dans la bouche. T'as-tu déjà vu de la Colgate au bacon, pour vrai? Non. Parce que, non, mais si vous voulez y faire plaisir, vous savez comment faire. Non, mais je rajoute des petits morceaux de bacon dedans, je laisse mijoter pendant peut-être un mois, puis ça goûte un peu. Ça. As-tu fait ta propre pâte à dents? Tout le temps, quand même. Moi, je pense que c'est une conte des menteries. Moi, je pense qu'il nous invente un pays magique où tout va bien. Il nous raconte un pays magique où tout va bien. Es-tu dans un menteur? Non. Et d'ailleurs, j'ai composé une petite toune pour finir mon aparté sur la magie de Noël, parce que c'est la magie de Noël, c'était la magie de Noël qui profite surtout aux Blancs, elle qui est toute faite de plastique, en Chine par des petits enfants. Joyeux de Noël! N'oubliez pas que c'est important d'acheter un cadeau à votre famille, parce que sinon elle vous juge. C'est ça l'amour. Donc, en passant, lundi prochain, je serai pas ici pour faire 70%. Je laisse le soin à toute l'équipe de venir vous fournir leur 70%. Moi, c'est mon voyage annuel. Je m'en vais en Abitibi-Témiscamingue. C'est de là que je viens. Tu sais où, toi? Non. On vient. Le NES, Mr. T, je me suis dit à un moment donné, on va bien venir par ta voix. Donc, sinon, je m'en vais voir mes racines. On va essayer peut-être de faire une présence de moi par Skype pour que je vous présente le film ou quoi que ce soit. Mais sinon, il va y avoir Vincent Leclerc des Fils de la Liberté qui va prendre ma relève à la console. Et sinon, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner tantôt en parlant des films. Pour 2008, la semaine prochaine, c'est Death Race versus Yeti Curse of the Demon. J'adore Yeti Curse of the Demon. C'est moi, Death Race. Death Race, c'est une reprise d'un vieux film avec Sylvester Stallone. C'est comme quand Sylvester, c'est long avant qu'il arrive, tu sais, tu lui dis « Hey, Sylvester, Stallone! » Hein? Hey, bonne. Ouais. Toi, c'est comment tu vas appeler ton enfant quand tu vas en avoir un? Georges. Georges, pour vrai? Ouais, comme ça, tout le monde pourrait dire Georges de la jungle, vu que chez nous, ça va être vraiment une vraie jungle. Il dit, c'est bon, ça. Sinon, y a-tu une dame dans ta vie présentement? Non, mais je work pour en avoir une. Il travaille sur une en particulier, on la salue, elle se reconnaît, c'est sûr. Ouais. Ou elle se reconnaît. En tout cas, ça viendra bien comme ça y va.
faut pas du trop fort, ça. C'est bon, non, ça se vit. Hein? A gentleman kisses but doesn't tell. Hey, rendu là, toi, tu t'en viens à Montréal, là, tu te déménages à Montréal. Ouais, je viens juste d'arriver il y a deux jours. Ok. Chris, ça va vite. Ouais. Déjà, tu t'es retrouvé dans le pinacle de ce qui se fait de plus intéressant en ville, mon gars. Dis merci à Guise. Ouais, merci. Merci à Guise. Sinon, toi, je veux dire, YouTube, c'est un projet de carrière que t'as et que tu vis. Ben, en ce moment, je fais des vidéos, c'est sûr. Puis, j'aimerais bien ça en vivre, mais pour ça, faut faire plus de vidéos. Puis, c'est pour ça que je m'en viens à Montréal. Plus de qualité. Pourquoi? Parce que ça se fait mieux à Montréal. Parce qu'il y a beaucoup plus de contacts. Les gens sont beaucoup plus sociables. Tu restes pas en campagne. Internet est plus rapide. Ouais, ok. Ah, tu viens de loin, toi, ouais, là. Ouais, ok, faut pas passer de Drummondville, genre. Ouais. Ok. Ouais. Je viens de Drummondville. Ah, bon, ça va vite. Je suis tombé de raide dessus. Ouais, vraiment. J'étais dans le centre-ville de Drummondville. À moins que je t'aie fait signer un contrat dernièrement. Non, non. Ouais, ça se peut. On en parlera tantôt. Sinon, ben, est-ce que t'as un dinosaure préféré? Moi, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais lui qui vole. Il y a Ptérodactyle, ah, qui vole, le Pteranodon. C'est Ptérodactyle. Il y a le Quetzalcoatlus, ils viennent de découvrir ça. Le Quetzalcoatlus, c'est comme... en tout cas, c'est genre 40 mètres de large quand il vole. C'est gros en esti, là, 40 mètres. Ça fit pas dans la maison ici. Là. Non. On s'entend. Sinon, est-ce que tu joues à Magic? Non. Non? Je connais pas Magic. Non. Et puis, comment qu'on fait pour te retrouver sur YouTube? Mettons, je veux devenir un fan de Jérémy Latreille sur YouTube. Ben, tu tapes www.youtube.com/LatreilleJérémy. LatreilleJérémy, c'est bon, ça. Facebook, Twitter, YouTube. Il est partout. Stimule multiplateforme. Hein? Bon, c'est bon, la convergence. On a pas à dominer. Pose-moi une question pendant que je bois une gorgée de bière. Es-tu bonne, t'as bien? La minute, là. Un standard. Standard, mais elle fait du bien. Ah, hein, mais c'est normal, c'est Guise qui l'a acheté. Ouais. Il a mis de la magie dedans. Hein. C'est chacun notre tour. C'est chacun notre tour tout le temps. Ben sinon, bienvenue à 70% à tous les amis qui sont là. On t'invite à rester avec nous. On va avoir des chroniqueurs et d'autres gens qui vont venir parler en attendant qu'on parle, bien sûr, du long métrage d'aujourd'hui. Et je te laisse présenter, peut-être le mot de la fin, présenter la chronique qu'on s'en va voir. C'est les meilleurs amis. Ouais. J'ai vu que t'étais dans une douche là-dedans. Ouais, ouais. C'était... J'ai encore mal, là, mais... C'est avec mon meilleur ami, tu sais. Mes meilleurs amis, on est just friends, hein, comme qu'on dit. Non, mais sérieusement, allez, enjoy la vidéo qui va apparaître. Pour ceux qui m'écoutent, dans le fond, qui me suivent, ben, continuez à écouter l'émission, ça va être vraiment drôle, je pense, vous allez rire, puis ouais. Beaucoup de contenu. Ouais, Bruno, il va venir avec les nouvelles d'habitude du particulier. Ouais, vraiment, écoutez ce bout de la grise, d'être vraiment les drôle. Les nouvelles de l'univers, ouais. Merci, Jérémy. De Noël. Bye. C'était la magie de Noël qui profite surtout aux blancs. Elle est toujours faite de plastique en Chine par des petits-enfants. Mais sérieusement, mon meilleur ami, ben, on fait tous ensemble. Vraiment tous. Let's go, Jess, t'es capable, let's go! Hey, bro, mets de la boue et cheveux. Passez une belle journée, ça? Ouais, ben. Ah, ouais, moi, c'était la fête, chine en crise, hein? Il y a des fois qu'avoir un ami, ça peut être vraiment, mais vraiment utile. Bro, il n'y a plus de papier! Thank you, bro! Allez, dégage maintenant. Ou des fois, ça peut être la pire chose jamais inventée. Hey, vous passez une belle journée? Ouais. Ouais. Hey, fuck les gros, man, faut que j'aille aux toilettes. Ça te dérange-tu de garder mon mec? Ah, c'est good. J'en reviens encore. Je l'ai réagi. Enchanté. Ça m'a dit que t'étais pas mal belle. What the fuck? Oh, quoi? Tiens, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Rien. Un meilleur ami, c'est une personne sur qui tu peux toujours, mais toujours compter. Gros, là, je peux compter sur toi, là, on va voir. Oh, c'est lui! Oh, mais let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1800, 1801, 1802, 1803. 13 coups, s'il vous plaît. C'est quelqu'un de très, mais très solaire. Oui.
C'est aussi quelqu'un qui aura pas peur de dire ce qu'il pense. Hey bro, en soir je m'en une fille, ben je me suis mis chic. Qu'est-ce que t'en penses? Eh, c'est vraiment beau là. Je le savais, man. Thank you, bro. Je sais, je vais l'avoir, man. Mais attends, j'ai oublié. Il y a aussi une meilleure amie. Celle qui va toujours être là pour moi dans mes situations difficiles comme celle-ci. Hey, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que? Mais j'ai comme jamais embrassé de fille, puis j'étais un peu stressé. J'aimerais ça presque avant. Tu devrais-tu m'aider? Oui. Ok, c'est bon. Ok, go. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié la dinde dans le four. La dinde? On l'a mangé hier, la dinde. Oh, il est pas bien. Je t'aime tellement. Et toi, c'est qui ton meilleur ami? N'hésite pas à le taguer dans les commentaires. J'ai la fucking grille. Soixante et dix pour cent pour 100%. Soixante et dix pour cent pour 100%.